C'est une structure qui permet d'accompagner les personnes handicapées avec un support de production. Et on ne bricole pas, on travaille avec du matériel professionnel. On est une petite entreprise médico-sociale implantée dans la ville de Carquefou et plutôt reconnue, je pense. Tu fais attention à ton modèle à utiliser, oui. Tu mets bien ERDF. Là. Oui. D'accord. Là. Voilà. T'as ton t-shirt, t'as ton polo et le pantalon à coller. Donc tu colles au même endroit. J'ai travaillé je sais plus combien de temps en passage, mais comme j'ai des grosses calcifications et des tendinites au bras, je peux plus repasser quoi. Donc je fais autre chose. Je reste en blanchisserie, mais je fais autre chose. J'aime beaucoup ce que je fais et j'en suis très. Je fais tout pour y arriver quoi. Ça sent le fioul. Je suis au CAT depuis 1991, ça fait 10 ans. Avant de rentrer à la ZIC, moi j'habitais chez tout seul et j'étais exploité par mes copains. Enfin, je faisais trop confiance. Et donc depuis que je suis à l'ESAT, tout ça a changé. J'ai fait un trait sur tout ça et je me suis fait une vie droite et claire, saine. À 43, 42, et tu es sur New Export. Ah, c'est ça. Ah, justement. Je me demandais justement pourquoi qu'il y avait des numéros à chaque passage de commerce. Vraiment, il est pas très courtois, des fois, je dirais. Il n'y a pas de code barre de branchie. On va passer les branchies. Il se la met déjà suffisamment tout seul, donc il est hors de question de remettre une pression de la production. Néanmoins, on a des objectifs quand même, puisque on doit être économiquement viable. On essaye, dans la mesure du possible, de les valoriser parce qu'on leur permet de faire de la qualité. C'est-à-dire que moi, j'inscris les poids et je pèse et tout ça. Et eux autres, ils scannent, quoi. Parce que maintenant, il y a les codes-barres, et puis plus ça va aller, plus ils vont poser des codes-barres. 15. Là, je pourrais chanter, penser notre amour à la machine, faites bouillir. Là, je pourrais chanter. Le poste de tri et de lavage, c'est un poste qui un peu gouverne l'ensemble de la blanchisserie. Et pour quelques pathologies, ça peut être assez perturbant. Parce qu'au lieu de rassembler les morceaux, là, donc, on va tout éclater. Oui, j'ai fait des rencontres importantes. Je me suis fait des amis et des petits copains. Au samedi, ça a été... moi, je trouve que c'est pas qu'il y a une bonne ambiance. Des fois, il y a pas des conflits, mais au fond, ça fait du bien d'être dans un cadre où tout le monde est pareil, en fait. C'est pas comme les travailleurs ordinaires, en fait. Parce que là, tout le monde comprend la maladie de tout le monde. Je trouve ça mieux. Je verrais bien Souchane et Charlie à l'engagement. Je sais pas ce que vous en pensez. À la sortie, au pliage. Ouais. Ça marche. Ouais. Elle est pas chaude encore. Non. Par contre, attendez qu'elle soit à température. J'ai eu du mal au début, mais c'est moi qui voulais. Parce que j'ai une maladie bipolaire. C'est pour ça que je suis au niveau du mental, en fait. J'ai des problèmes au niveau du mental. Je peux faire des crises de violence, d'anxiété. RDF, c'est quand même une structure qu'ils connaissent bien. Donc effectivement, pour eux, c'est valorisant de pouvoir exprimer à l'extérieur qu'ils font entretien, par exemple, des vêtements de travail de RDF sur l'agglomération. 201, casier 201. D'abord. Parce que j'ai été en restauration dans une école. Et après, j'étais dans des restaurants autrement. Et, je sais pas pourquoi qu'ils m'ont viré... Parce qu'ils m'avaient dit qu'ils me garderaient bien et au dernier moment,
une semaine après. Moi, j'aime bien être là, alors... Surtout que je suis auprès des clients, je me fais... Et les clients aussi m'aiment bien, enfin, je veux dire... Ils voient bien que j'arrive bien à... Donc il y a une forte implication de leur part, puisqu'effectivement pour certains ils ont une heure de trajet, voire une heure et demie le matin et autant le soir, donc une forte implication, une forte volonté de venir travailler. Les salariés de RDF ont compris par ce mode de fonctionnement qu'ils pouvaient faire travailler des personnes du secteur protégé, donc des personnes qui étaient en situation de handicap, qui avaient besoin de leur travail pour vivre. Ils ont découvert qu'il y avait des personnes qui travaillaient derrière et que quand ils récupéraient leurs vêtements propres, c'était parce qu'une personne s'était occupée de ça.